Je l'allume, je le... On retente la scène, les frères. Ah oui, il est défectueux. Tu t'es brûlé un doigt. Ah ouais, je crois. Et puis vous lui dites de refaire le deuxième. Bah non, c'est pour ça, pose-le. Aïe. Le premier, il est de la femme. Là c'est la chaîne de JT abruti. On va pas se fâcher pour 2-3 broutilles. Des questions louches, on fait Skype. Ouais, abonne-toi ma petite gueule pour casser la routine. Si tu veux me suivre, tout est dans le descriptif. T'as vu le bob, tu te demandes c'est qui ce type. Claque juste une grosse tube en l'air. Comme dans Minecraft, rajoute ta pierre à notre édifice. Yo les frérots, comment vous allez? Vous avez vu l'individu qui vient d'arriver à la baraque? Si 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 les frérots, on est là. On se retrouve, petit LVDG numéro 4. Donc là, avec mon petit V2Stream, chaîne en description, on va participer au petit clip de Moonra. Donc d'habitude, il n'a jamais vu ça. On va pouvoir lui faire voir comment ça ressemble, un clip un petit peu professionnel. Qui voit comment ça se passe. Moi, j'ai ramené mes saps. Entre deux, je vais me changer parce que je prends tout le temps les mêmes saps. Et de, là-bas, ils vont lui donner une sap, je pense. On va se voir comment ça se passe. Je vais vous faire des petites scènes. Si je vois qu'il y a trop de vent et qu'il y a la musique derrière, bah avec V2, je ferai juste des petites scènes vite fait au compapote de une minute ou deux. Ouais. Clac, couper. Et on va voir comment il se démerde V2 et on verra ça au montage, qu'est-ce que ça donne quand le clip il sera bien fini. Allez la famille, sur ce, à tout. On est là pour le LDBD, LDBDG 4 ou 5, je sais plus, c'est combien, je crois que c'est le 4. Avec V2 Stream en compagnie les frères. Ouais. Nous voilà les frères, on est là, on se retrouve, on est sur le tournage du clip de Moon, la famille, Angel, toujours là. Je vais juste vous faire voir quelques petites images, je vais pas blater pendant 30 ans parce que tu sais avec le son derrière et tout, je vais pas casser les couilles. Juste avoir quelques petites images de comment ça se passe, voir un petit tournage, faire voir le matériel, belle caméra et tout. Voilà les frères, on est posté. On est là. Petite barbac, on va faire les petites gaises. Va deux, fais voir ton petit logo. Si si, ça c'est une belle marque les frérots. Voilà, je vous ferai quelques petites images. De temps en temps peut-être je parlerai, je ferai peut-être une petite interview Moonra histoire de faire de la pub le famille. Mais juste des petits trucs comme ça à droite à gauche. On va tourner à la première scène les frérots. Juste faire voir un petit peu, on a un bateau. Regardez, tout est là. La première scène, c'est des petits qui sont tout là-bas. Ils vont venir, ils vont ramener une balle. Nous, on est là, on fait une barbaque entre grands. V2, il s'occupe de sa caméra comme d'habitude. Les petits sont là-bas. Ok, LM. Si, si. Voilà, on est là. Posé au cam, tu t'en sens. Les petits Henken, les petites cordalines pour les enfants. Il y a Super Kabiliman là-bas. Si, 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 vous avez reconnu. C'est le Mounir. Il m'a passé une cape mais je la mettrai après. T'es dans la boîte trop duc. Mate-moi ça ma gueule. Il y a un bon temps Moonra, il a acheté une de ces putains de platines. Tu scratches. Oh là là mon frère, ça fait tellement longtemps. Ah c'est magnifique mon frère. Du gosse. Je vais essayer de trouver les références. Cap, t'as tout, tout est déjà prêt, t'es dehors. T'as juste besoin de mettre tes piles. Oh bah deux. Viens voir vite fait. Oh, on est en train de scratcher. Don't stop,
Putain, on se débrouille pas mal, hein. On dirait ça toute sa vie. Putain, fais-moi une belle démo. Fais-moi une belle démo, ma gueule, je te prends en vidéo. Je vais voir la caméra. La folle, il la connaît, lui, hein. T'as vu, mon frère? Tout ça, ce n'est même pas branché électriquement, c'est niveau pile. Il a sa petite enceinte sur le texte, il vient, il se met dans la rue, dans le métro, il tape son scratch. Ok, mais il ambiance, mon frère. Ah bah, t'as Mounir, il est où? Petite dégustation. Petite pause, la famille, petite pause sandwich. V2 est en train de bouffer depuis tout à l'heure. Magnifique. Pas sourd d'auteur, ma gueule. Ah ouais, parce que gros gros cœur. Toute l'équipe est là. Noir. Magnifique. La Rosta. Tous les deux, Angel. Heureusement qu'il y avait deux pour en parler, parce que moi je suis là, je suis juste en train de manger mon sandwich. Là, je suis pas sûr si on m'entend dessus. Si. Voilà le chef. C'est bien. Le chef qui positionne tout le monde, qui dit le scénario, comment ça doit se passer. Là-bas, il y a super Kabilman qui est en train de faire ses prises. Big up à Moundra, la chaîne dans la description. Si, si, mon frère. Les petits qui partaient avec le ballon au calme. Voilà, ça c'est ça que je vous parlais, les mecs. Regarde la méchante caméra. On va voir si petit s'il joue à la brésilienne. Tu fais une passe? Elle est pas tombée. C'est pas... Moi j'ai pas fait béton, gros. Voilà la star, les frères. Regardez les potos, on va voir V2 s'il arrive à faire un tour du monde. T'as réussi? Vas-y V2. Oh, bugueuse. Oh, l'enculé. J'ai jamais réussi ça, j'ai réussi comme toi, tu fais un peu là. Mais non, j'arrive pas, moi. On est là, on se retrouve. On a déjà fait 2-3 petits tournages de scène. Là, il faut encore quelques petits tournages. Je vois un petit peu comment ça se passe. Une scène sans musique ni rien. Voilà. T'as le caméraman, le chef avec le trépied. Il dit qui fait quoi à gauche ou à droite. Tout le monde se place. Tout le monde fait son truc. Tout le monde est placé. Vous avez vu mon petit VD, mon petit frère. Big up à chacun toxique. Ouais. J'arrive. Petit tournage. Ça se passe comme ça. Si, si, mon frère. Tu vois. Il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un tournage, le frérot, comme je dis, à chaque fois qu'on fait un tournage, le frérot, il habille tout le monde. Il donne des sapes à tout le monde, gratuit. Il habille. Sérieusement, il n'y a pas de problème. Le lien est en description, comme je vous dis tout le temps d'habitude. Mais il passe des sapes à tout le monde, vous avez vu, il y a mon petit frère qui est venu, V2 qui est venu, il a sapé, il a habillé tout le monde, gratuitement, il dit rien. Vraiment, regarde. Que de la bonne esprit. Il a ramené ses grillades, ses bouts de pastèque, il a ramené les boissons, tout. Tu viens, tu te poses, tu fais ce que tu veux, gros. Après, c'est pas, pas de radinerie, ni rien. Vous avez vu, là, on va faire une... Je vais pas voir tout le clip, là, on fait une petite scène. Regardez la beauté, là-bas. Sam, demande-lui ça. Dès qu'on vous dit, vous ressortez tous. Ivan.
Mais non, normal frère. Mais non, mon hier, je me suis pas lavé. Ah, qu'est-ce que t'as pas dit? Je veux qu'il roule une petite cigarette. Comme vous connaissez mon petit frère, vous l'avez vu dans tous les LVDG. LVDG1, LVDG3, LVDG4. Que des petites prises les frères. Si je vous fais que des petites prises où je vous fais voir un petit peu à droite à gauche, c'est pour voir comment ça se passe un clip. Parce que j'ai pas encore la caméra avec le micro qui prend tout direct. Donc je vous fais juste des petits trucs. Regardez le trépied de ouf. Rapprochez-vous ça, regarde. Rapprochez-vous tous comme voilà. Ça là, en fait le plan il est là, là, là comme ça. Voilà, ça c'est quand il dit tout le monde de faire quoi. Regarde, il dit à tout le monde tu fais ci, tu fais ça. Et hop tu fais, moi j'ai l'habitude maintenant. Ah si t'as marché dans la boîte. Je vous mettrai les liens de tout le monde les frères, Angel, Mounir, N de la boîte, tout le monde. On a fait un fumigène et le fumigène il a pété, il a pas marché gros. On a mis partout sur les t-shirts tout. Du coup regarde. Moi je l'allume et puis je me remets dans la foule. Non, ça m'a cramé. Le fumigène il a pété mon frère. Ils sont défectueux du coup. Je l'allume, je le... On retente la scène les frères. Oui, il est défectueux. Tu t'es brûlé un doigt. Ah ouais, je crois. Et puis vous lui dites de refaire le deuxième. Bah non, bah c'est pour ça, pose-le. Aïe. Le premier, il est la femme, le deuxième. Non, tu restes sur le rocher là avec le bras en l'air. Les deux, veux faire le fumigène. Il fait gaffe par contre pendant le clip. Faut pas trop le secouer. Ça arrive. La femme, mais... Pas sans commentaire, j'ai esquivé à gauche, j'ai esquivé à droite. Hey. Petite pause. Petite pause sans pause. La petite pause. T'as vu, on était posté là, frère. On a fait déjà 2-3 scènes. La Mounra va nous faire une petite scène là-bas tout seul. Tout le monde est là, il y a toujours V2. Toujours Mounra. Le pauvre V2, il voulait garder ses chaussures. Hop, il voulait pas faire de football. Fumigène mal fabriqué. Regardez comment ils ont pensé à moi. Ils ont pensé à moi qui aime bien les fruits. Oh, les belles pastèques. Les belles pastèques, mon frère. On est posé. Je crame tout le monde. Un petit interview de Mounra à la fin de l'épisode. 2-3 minutes. Ok, il aime. On est là. Moi, je veux la poubelle parce que... On est propre, hein. Vous avez vu, il y a la poubelle, il y a tout. C'est un petit LVDG les frères. En LVDG, numéro 3, numéro 4, non c'est le 4 ou 5, je sais plus. On est là, des petites 700, 850, pas de coupage, pas de montage. J'ai pas encore l'habitude. On a fait le petit barbecue. On a bien bouffé. V2 il arrive à la Sbarak, il était midi. 14h on a bouffé une petite gueule, tout, il y a tout mon frère. Tout, on va faire un bon clip. Regarde, ça se voit que V2 il est venu en Normandie mon frère. C'est pas Paname ou en Île-de-France que tu vois ça. Des encres, mon frère, un coup d'encre dans ta gueule. Voilà les frères, vous avez vu. Les petits, le chef du scénario, le caméraman, et juste Mounra, chacal toxique, mon frère, t'as vu. La pub à max, nous on n'a pas le droit d'y aller, enfin on a le droit d'y aller, mais je vous fais pas voir ça en caméra. Petite freestyle inédit, mon frère. Chacal toxique, t'as vu. Comme je te disais tout à l'heure, on vient sur un tournage. T'as le mec qui passe les sapes à tout le monde, il met bien tout le monde, ça a rien à dire. Putain de bonne ambiance. Je mets les liens de tout le monde, Angel, chacal toxique, tout le monde dans la description, regarde, tout le monde est en Angel. Tout le monde est en Angel. Il n'y en a pas un qui a pas du chacal toxique ou du Angel, voilà mon frère, t'as vu. Tout le monde. Donc faut que tu dises que quand on est arrivé, tu vois, il allait au moment donné 10 ou 15 sapes, c'est un bon geste quand même. Même à V2, regarde, il va pouvoir mettre ça sur cette live, quand ça va faire bizarre, il va avoir du Angel sur le bâtard. Au moins, ce sera plus une batraille. Si, regarde, même le beau gosse en Angel, je te dis, il n'y a vraiment que du Angel, mon frère. Gros big up à eux. Voilà. Si, mon frère. T'as vu? Il fait pas semblant, il a vraiment d'assable de tous les univers. T-shirt, chemise, beau gossitude, ghetto youth. De tout mon frère. Ah bah c'est ce qu'on doit être dans le clip, regarder la caméra et de moment regarder la poêle. Alors... Ouais, on va se faire un petit débrief les frères. On va pas faire ça en volant parce que c'est dangereux déjà les téléphones au volant ou je sais pas quoi, alors faire une vidéo au volant c'est tout aussi dangereux. Donc là,
on va se faire un petit débrief une fois posé, on va se poser vers Chemin, on va se faire un petit débrief avec les deux, voir ce qu'on en pense. En tout cas, sérieusement, bonne journée, ok, un petit merguez, un petit truc à manger, à boire. Posez-le, on rentre vers la baraque, les deux ils restent à la maison. À la maison. Ici à Mounra, Angel et Nelabo la famille.